C'est un petit magasin où n'entre jamais un rayon rose et gai. Son unique fenêtre, à gauche de la porte d'entrée, est masquée par des cônes en papier, des boîtes en carton empilées. Une ardoise pend à la crémone. Accrochée au plafond, des tubes au néon éclairent une dame âgée qui s'approche d'un bébé dans un landau gris. Oh, il sourit. Une autre femme plus jeune, la commerçante. Assise près de la fenêtre et face à la caisse enregistreuse où elle fait ses comptes, s'insurge. Comment ça? Mon fils sourit? Mais non, il ne sourit pas, ce doit être un pli de bouche. Pourquoi il sourirait? Puis, elle reprend ses calculs pendant que la cliente âgée contourne la voiture d'enfant à la capote relevée. Sa canne lui donne l'allure et le pas maladroit. De ses yeux mortels, obscurs et plaintifs, à travers le voile de sa cataracte, elle insiste. On dirait pourtant qu'il sourit. Ça m'étonnerait. Personne n'a jamais souri dans la famille Tuvache, revendique la mère du nouveau-né en se penchant par-dessus le comptoir pour vérifier. Elle relève la tête, tend son cou d'oiseau et appelle. Mishima, viens voir. Une trappe au sol s'ouvre comme une bouche et apparaît, telle une langue, un crâne dégarni. Quoi? Que se passe-t-il? Mishima Tuvache sort de la cave avec, entre les bras, un sac de ciment qu'il dépose sur le carrelage, tandis que sa femme lui raconte. C'est un petit magasin. C'est un petit magasin. Où n'entre jamais un rayon rose. C'est un petit magasin où n'entre jamais un rayon rose et gai. Et gai, point. Son unique fenêtre, virgule, à gauche de la porte. À gauche de la porte d'entrée, à gauche de la porte d'entrée, virgule, est masquée par des cônes en papier. Est masquée par des cônes en papier, virgule. Des boîtes en carton empilé. Des boîtes en carton empilé. Une ardoise pend à la crémone. Une ardoise pend à la crémone. Point. Accrochée au plafond, des tubes au néon. Accrochée au plafond, des tubes au néon. Éclaire une dame âgée qui s'approche d'un bébé. Des tubes au néon éclairent une dame âgée qui s'approche d'un bébé dans un landau gris. Dans un landau gris. Deux points. Oh, virgule, il sourit. Oh, virgule, il sourit. Point d'exclamation. Une autre femme plus jeune, la commerçante, assise près de la fenêtre et face à la caisse enregistreuse. Assise près de la fenêtre et face à la caisse enregistreuse où elle fait ses comptes. Où elle fait ses comptes, virgule. S'insurge, deux points. Comment ça, virgule, mon fils sourit, point d'interrogation. Mais non, virgule, il ne sourit pas. Mais non, virgule, il ne sourit pas. Ce doit être un pli de bouche. Ce doit être un pli de bouche. Point.
Pourquoi il sourirait? Pourquoi il sourirait? Point d'interrogation. Puis elle reprend ses calculs. Puis elle reprend ses calculs pendant que la cliente âgée contourne la voiture d'enfant. Pendant que la cliente âgée contourne la voiture d'enfant à la capote relevée. À la capote relevée. Point. Sa canne lui donne l'allure. Sa canne lui donne l'allure et le pas maladroit. Sa canne lui donne l'allure et le pas maladroit. De ses yeux mortels, obscurs et plaintifs, de ses yeux mortels, obscurs et plaintifs, à travers le voile de sa cataracte, à travers le voile de sa cataracte, elle insiste. Deux points. On dirait pourtant qu'il sourit. On dirait pourtant qu'il sourit. Point. Ça m'étonnerait. Virgule. Ça m'étonnerait. Virgule. Personne n'a jamais souri dans la famille. Personne n'a jamais souri dans la famille, tu vache. Point d'exclamation. Revendique la mère du nouveau-né. Revendique la mère du nouveau-né en se penchant par-dessus le comptoir. En se penchant par-dessus le comptoir pour vérifier. Elle relève la tête, virgule, elle relève la tête, virgule, tend son cou d'oiseau et appelle. Tend son cou d'oiseau et appelle. Deux points. Mishima. Point d'exclamation. Viens voir. Point d'exclamation. Mishima, tu vache, sors de la cave avec. Mishima, tu vache, sors de la cave avec, virgule, entre les bras, virgule, un sac de ciment, un sac de ciment qu'il dépose, un sac de ciment qu'il dépose sur le carrelage, un sac de ciment qu'il dépose sur le carrelage, tandis que sa femme lui raconte. Un sac de ciment qu'il dépose sur le carrelage, tandis que sa femme lui raconte. Point. C'est un petit magasin où n'entre jamais un rayon rose et gai. Son unique fenêtre, à gauche de la porte d'entrée, est masquée par des cônes en papier, des boîtes en carton empilées. Une ardoise pend à la crémone. Accrochée au plafond, des tubes au néon éclairent une dame âgée qui s'approche d'un bébé dans un landau gris. Oh, il sourit. Une autre femme plus jeune, la commerçante,
assise près de la fenêtre et face à la caisse enregistreuse où elle fait ses comptes, s'insurge. « Comment ça ? Mon fils sourit ?»« Mais non, il ne sourit pas. Ce doit être un pli de bouche. Pourquoi il sourirait ?» Puis, elle reprend ses calculs pendant que la cliente âgée contourne la voiture d'enfant à la capote relevée. Sa canne lui donne l'allure et le pas maladroit. De ses yeux mortels, obscurs et plaintifs, à travers le voile de sa catarate, elle insiste. On dirait pourtant qu'il sourit. Ça m'étonnerait. Personne n'a jamais souri dans la famille Tuvache, revendique la mère du nouveau-né en se penchant par-dessus le comptoir pour vérifier. Elle relève la tête, tend son cou d'oiseau et appelle. Mishima, viens voir. Une trappe au sol s'ouvre comme une bouche et apparaît, telle une langue, un crâne dégarni. Quoi ? Que se passe-t-il ? Mishima Tuvache sort de la cave avec, entre les bras, un sac de ciment qu'il dépose sur le carrelage, tandis que sa femme lui raconte.